Bisous, bisous mes amis, mes amours adorés. Oh, je suis contente, hein. Bah, comme à chaque fois, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, j'ai toujours le sourire aux lèvres dès qu'on se retrouve. Alors aujourd'hui, des gros bisous pour les petits loulous, parce qu'on va faire un petit atelier ensemble. Bon, donc, avant toute chose, je prends juste deux minutes, juste pour vous demander comment vous allez. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Vous êtes bien? Vous êtes heureuse? Vous êtes heureux? Puis, vous avez de l'amour. Mais oui, beaucoup d'amour, que vous êtes amoureuse et amoureux. C'est tout ce que je vous souhaite, que vous soyez vraiment très, très bien. Donc, voilà, quoi. Et aujourd'hui, alors nous, aujourd'hui, on a une journée, mais franchement, très, très ensoleillée. Je fais même attention, parce que je crois qu'il y a des moments où je vais devoir bouger. Parce que c'est super agréable, hein. Je ne peux pas me plaindre du tout, ça fait trop du bien, mais c'est pour la vidéo que je dis ça, hein. Donc j'espère franchement qu'il en est de même chez vous, voilà. Alors, on commence, les petits loulous, regardez bien, mais enfin, la petite activité, elle est faite pour vous, mais il faudra vraiment la faire donc, avec papa ou maman, parce que vous allez voir, il va falloir faire du découpage, tout ça. Donc ça, c'est vraiment l'adulte, hein, qui doit le faire, hein, les petits loulous. Venez, approchez-vous. Des bisous pour les petits loulous. Et oui, alors moi, je fais des bisous, mais alors tous les petits loulous, tous. Et je fais aussi des gros bisous à ma petite Colline. Et oui, ma petite Colline. Et puis aussi à Maëlle, voilà. Et puis plein de gros bisous à tous les petits loulous. Allez, donc c'est parti, on commence. Alors j'espère juste une chose, c'est que je ne vais pas trop m'éparpiller. Je vais essayer d'être le plus logique possible, et oui. Donc voilà, c'est parti. Donc, au fait, je voulais juste partager un petit truc, juste deux minutes. Les petits loulous vont dire, mais maman, mais qu'est-ce qu'elle fait Nathalie? Comment elle explique? Oui, non. Attendez, hein. Juste deux secondes. Bon, regardez ça, c'est un petit bracelet. Non, c'est parce que je voulais, comme je dis à chaque fois, j'ai toujours envie de partager des petites choses avec vous. Donc voilà, vous savez, c'est un petit bracelet, je ne sais pas comment vous le trouvez, mais je l'ai acheté donc hier à Action, bah oui, évidemment, encore, je l'ai encore craqué, hein, donc voilà, je referai un petit haul prochainement. Et alors, vraiment, mais écoutez, je crois que je l'ai payé 99 centimes, mais je l'ai, j'ai modifié en fait. Parce que vous voyez ce petit ici, là, cette petite rangée de perles, c'est moi qui l'ai faite en marron, mais c'était toutes des petites perles comme ça, couleur dorée, donc c'était trop doré à mon goût, donc je n'aimais pas. Donc, enfin, voilà, bon, c'était juste une petite parenthèse. Voilà, allez, les petits loulous, on commence. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir comme matériel? Une boîte en carton. Alors, moi, j'ai pris une boîte de chaussures parce que hier, justement, j'ai voulu commencer le travail pour voir un petit peu comment il fallait faire. Parce qu'en fait, l'idée, ben, ne vient pas de moi du tout. Je l'ai trouvée donc dans un livre. Voilà, et donc je l'ai faite hier, mais justement il y a des choses que je vais vous dire de ne pas faire parce que moi je l'ai raté, hein, donc voilà. Donc j'ai recommencé, donc c'est pas grave, bon, non c'est pas grave. Alors donc il faut une boîte de chaussures. Alors moi j'ai pris une boîte de chaussures, enfin une boîte de chaussures ou un carton, ce que vous avez, hein, ça n'a pas d'importance. Alors donc dans cette boîte, il faut que je vous dise donc tout ce qu'il faut. Non, on va commencer déjà parce que matériel. Non, mais c'est pas grave, vaut mieux parce que ah, je ne sais plus. Non. Bon, allez, on commence. Oh là 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 là. C'est quand même, hein, franchement, hein, j'abuse. Hein. Oh là 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 là. Bon, regardez, voyez un petit peu. Hein, ça c'est hier quand j'ai commencé et puis bon, c'était catastrophique. Alors donc dans un carton, vous allez faire donc du découpage. Bon. Alors, au niveau des dimensions, ben, comme je dis toujours, que ce soit 1 cm de plus, 1 cm de moins, on n'est pas trop... c'est pas trop gênant. Donc ici, ça fait 20. Ici, ça fait 10. 30. Donc, au niveau largeur, vous voyez, vous allez découper donc 30 cm de largeur. Bon. Au niveau de la hauteur, donc 20, ça fait 25. Donc 30 de large, de largeur, et donc 25 cm, ouais 25, 25 cm de hauteur. Voilà, donc vous découpez. Alors en ce qu'on va faire, ah oui, je ne vous ai même pas dit ce qu'on va faire. Ben non, je ne vous ai même pas dit. Bon, c'est pas grave. En fait, on va faire les jours de la semaine en fait. Hein. Oui, je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc, on fait donc le carré. Ici, on va faire un petit arrondi. De chaque côté, voilà.
Donc ça, c'est la première étape. Voilà. Ensuite, on va prendre une feuille cartonnée. Alors moi, j'ai ça. Mais ce n'est pas une obligation parce que, en fait, à la base, il faut que les loulous, ils peignent. Vous voyez, il faut qu'ils utilisent de la peinture. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire exactement tout ce qu'il faut puisque moi, je n'ai pas procédé de cette façon-là, évidemment. Hein. Alors, vous voyez, ça, ce sont des blocs de papier que j'achète donc au magasin. Vous savez, Action, voilà. Donc, ce sont des feuilles qui sont quand même... elles sont pas trop épaisses et elles sont pas trop fines non plus. Voyez. Alors, je vais en prendre une au hasard en sachant que j'ai déjà commencé le travail. C'est simplement pour vous montrer. Mais si vous prenez une feuille, c'est pour vous montrer en fait le style de feuille que vous devez utiliser. Les enfants, ils vont peindre sur cette feuille. Alors, on va faire. Vous allez donc cette feuille. On va venir donc la placer sur le carton. Donc il faut tout simplement, vous voyez, quand vous avez découpé votre carton, la deuxième étape, c'est de bien mettre la feuille et de découper aux mêmes dimensions en fait. Hein. Alors ici, bon, on fait l'arrondi, donc on va faire l'arrondi aussi sur la feuille cartonnée. Voilà. Alors maintenant, bon, donc je vais vous montrer le travail, ce que ça va être. Voilà, bon, donc c'est découpé. Vous voyez, c'est découpé. Vous allez vous dire, tiens, c'est quoi ça? Ce sont des petites fenêtres. Voilà, parce qu'on va faire, en fait, vous voyez, les jours de la semaine. Voilà. Alors maintenant, ici, moi, j'ai mis les jours de la semaine, mais vous pouvez marquer le prénom de votre petit loulou, hein, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Voilà. Alors, ici, vous voyez, alors, à peu près là, hein, là, ici, à peu près, pour que ça fasse une petite base, vous allez donc, ici, faire un trait, donc, horizontal. Les enfants, ici, ils vont peindre, là, et puis après, ben, vous inscrivez... ils écrivent ce qu'ils veulent, hein, comme je vous dis, leur prénom ou autre. Là. Ici, ben c'est pareil, on va peindre cette partie-là. Voilà. Et alors, moi ici, j'ai mis des petites fleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est après, maintenant, les enfants ne sont pas obligés de peindre. Hein. Vous utilisez, par exemple, des feutres, ils ont envie de faire des petits dessins, des petites choses. C'est vraiment comme ils veulent. Il n'y a aucun... c'est en fonction de leur goût, en fonction de leur imagination. Ils peuvent coller des stickers. Enfin, ça, c'est vraiment... C'est de la déco. Hein. Tout ce qui est décoration, ça, c'est vraiment le petit loulou qui fait vraiment comme il en a envie. Hein. Donc, voilà. Alors, maintenant, où ça va? Ça va être un peu plus difficile. Façon de parler, qu'hier, je l'ai raté. Hein. Donc, c'est pour vous dire. Bon. Alors, ne me demandez pas non plus au niveau des centimètres, vraiment, ou un centimètre près. Bon, ce qu'il va falloir faire, regardez bien. Oh non, je ne me vois plus là. Non, vous ne me voyez plus non plus. Bon, on va devoir découper. Alors, je vais faire, parce que ça, c'est des petites fenêtres. Alors, ce qu'on va faire, on va tracer sept rectangles. Pour faire les jours de la semaine, hein, lundi, mardi. Ah, j'ai oublié de marquer les jours. Oh, ouais, ça me revient. Bon, c'est pas grave. Alors, je le ferai après. Donc, ici, on va tracer donc sept rectangles. Alors, au niveau des dimensions, faut que ça. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit quand même égaux. Hein. Donc, par exemple, celui-ci, il fait 3 cm. Alors, à peu près, vous voyez, vous essayez de faire 3 cm. De là ici. Vous faites un rectangle. Là. Donc, sept rectangles. Après, les rectangles sont faits. On va utiliser donc un cutter. Donc, ça, c'est les adultes hein, qui s'occupent. Vous allez tracer donc un trait au milieu. Toujours avec votre crayon de bois, vous tracez un trait au milieu de chaque rectangle. Voilà. Quand votre trait... Alors, mettons, je vais refermer. Voilà. Quand votre... Alors, surtout, voilà. Surtout, c'est là... Où hier je me suis j'ai raté en fait. Vous voyez là ici là, entre les deux. Si vous mettez pas assez comment expliquer? Si c'est vraiment trop près les deux bords, ça risque de s'arracher. Donc il faut laisser quand même, on va dire un centimètre et demi. Un centimètre et demi. Hein. Donc. Alors donc ça ici le rectangle, nous avons ici notre rectangle. Voilà. Vous allez prendre votre cutter, vous allez faire donc un trait avant au crayon de bois. Vous allez couper ici, voilà. Et ensuite, vous allez couper les deux petites parties. Voilà, je vais faire avec mon doigt les deux petites parties ici et là. Et pareil de ce côté. Pour qu'après, quand on ouvre, vous voyez, hop,
Ça va faire en fait une petite fenêtre. Alors moi, pour bien faire les bords ici, j'ai pris ma règle, vous voyez, comme ça. Non, comme ça. Et j'ai plié en fait le carton. Voilà. Comme ça. Après, donc, vous allez faire donc 7 rectangles. On découpe, voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc ça, alors après, pour que ce soit plus joli, parce que quand la fenêtre est fermée, vous voyez, parce que j'avais fait au crayon de bois, j'ai refait ici au feutre. Je vois pas du tout parce que j'ai le soleil. Alors j'espère vraiment que vous voyez bien. Voilà. Donc, voilà, ici au feutre. Hein. Voilà, pour que ça fasse un peu plus joli. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est quoi ce truc? Mais en fait, vous voyez, moi je pense au petit. Moi j'ai remarqué, hein, je dis ça par expérience, mais admettons par exemple les enfants, on est dimanche par exemple, et vous dites à un enfant, votre petit, ah par exemple, ou on est lundi, enfin peu importe, tiens, samedi, on ira, admettons, je sais pas moi, j'en sais rien, à la piscine par exemple, ou alors chez papy, mamie, ou à la plage, peu importe. Ben, les enfants, les tout petits, ils ont pas la notion en fait du temps. Alors souvent, il faut leur expliquer, admettons, bah il y a 3 dodos, 4 dodos, hein. Et bien avec ce petit calendrier là, si vous préférez, avec les jours de la semaine. Bon, oui, voilà. Ouais. Je commence à expliquer quelque chose et après. Bon, parce que ce qu'on va faire, regardez, on va le coller. Attention, avant de le coller, c'est là où ça va se. Surtout, faut pas mettre la même erreur que moi, parce que vous voyez, hier j'ai collé. J'en ai collé. Donc, tout ça ici, là, comme ça. Mais quand je l'ai collé après sur le carton, ce qu'il faut faire, c'est ici laisser une ouverture. C'est-à-dire que chaque semaine, on va mettre une feuille de papier. Vous voyez? On va la glisser, là, comme ça. Voilà. Et l'enfant, donc chaque semaine, en fait, vous la retirez. Alors ici, dans la première fenêtre, vous allez faire un dessin. Par exemple, mettons, vous allez à la piscine ou autre, bon, vous allez faire, je sais pas moi, un genre de. Enfin, c'est l'enfant qui va le faire. Je ne sais pas, ou admettons, j'ai la piscine, bah, vous faites un carré bleu pour dire que c'est la piscine. Des enfants qui. Vous voyez, ce que je veux dire, après, c'est le petit qui fait à sa façon. Moi, vous voyez, bon, on ne rit pas des dessins. Surtout pas. On ne rit pas. Alors, j'ai commencé hier à le faire. Trouvons bien l'ouverture. Hein. Voilà, non, c'est pas collé encore. Bon. Alors, voyez, regardez, je vous explique. Ça va, vous me suivez, les loulous? Les parents aussi, vous me suivez? Oh non. J'ai ri parce que c'est limite quand même, hein, au niveau des explications. Bon, alors, par exemple, voyez. Alors, admettons, c'est un petit. Dans le livre, c'était ça. Après, le reste, bon, j'ai inventé. Ça, c'est un petit chevalet. Admettons, l'enfant, il doit aller. Va faire du dessin ou autre. Vous voyez? Donc, voilà. Ensuite, ici, par exemple, la deuxième, on ouvre la fenêtre. Alors, admettons, ici, on écrit donc les jours de la semaine. Ici, nous sommes lundi. Vous dites au petit, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait comme dessin, moi? Là, j'ai fait un genre de parc. Hein, voilà. Là, ici, le parc. Donc, nous sommes lundi, ici, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, vendredi, nous allons au parc. Donc, tous les petits, les petites fenêtres, elles seront fermées. Voilà, les petites fenêtres, on les ferme. Voilà. La petite fenêtre du vendredi, on la laisse ouverte. Voilà. Donc, nous, on est ici. Voilà. Alors, l'enfant va vous dire, il y a combien de jours? Alors, donc, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, bah, il se dit, tiens, il y a un dodo. Alors, ici, bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein, voilà. Et ici, ça sera là, donc, c'est parce que, en plus, j'ai oublié de marquer les... Comment? J'ai oublié de marquer les jours de la semaine, moi. Donc, voilà, ici, ça sera jeudi, non, vendredi, samedi, dimanche. Donc, vendredi, ça sera le parc. Le parc. Alors ici, par exemple, ce sera la forêt. Là. Ici, trop les dessins. Hein. On ira chez papy, mamie. Ici, celle-ci. Ici, par exemple, c'est un gâteau d'anniversaire. Des cadeaux. Donc ça ici,
ce sera par exemple le football. Vous voyez? Donc en fait, il faudrait déjà que je marque, ce sera peut-être plus sympa quand même, de marquer les jours de la semaine. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Oh, je suis longue, hein. Oh là là, je suis longue. Samedi et dimanche. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, avec les jours de la semaine, on voit mieux quand même, hein. Donc, voilà, en fait, hein. Et après, on ferme les petites fenêtres, tout simplement. Et puis après, bon, bah, le petit, il vous dit, maman, on va quand? Donc, par exemple, voilà, hein, en forêt ou. C'est pas collé, hein, donc voilà. Donc, on colle. Voilà. Et on ferme les petites fenêtres. Comme ça, en fait, bon, bah, ça lui. Il sait que vendredi, donc, nous allons au parc. Vous voyez? Donc, voilà. Bah, écoutez, il me reste moi à coller. Donc je vais coller, puis on se retrouve donc tout de suite après. Donc voilà, je viens de terminer de coller. J'ai bougé un petit peu parce que. Voilà. Alors, donc j'ai terminé de coller. Par contre, j'ai oublié de vous dire aussi, vous savez, au niveau de. Pour la petite déco, quand les enfants ils vont soit colorier ou peindre les petits volets, ce qui serait bien en fait, c'est qu'ils colorient le samedi, le dimanche d'une autre couleur, comme ça, bon ben. Bah, ils peuvent voir que c'est le week-end en fait. Vous voyez, donc c'est un petit truc quoi. Donc, alors, pour coller en fait, surtout, ne collez pas trop ici jusqu'au bord. Et comme moi, l'erreur que j'ai faite hier, c'est d'avoir collé ici un petit peu trop, ici au niveau des volets. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après, pour glisser la petite feuille, on a plus des difficultés. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, au niveau de la feuille qu'on va glisser, vous voyez, surtout, laissez toujours une base. Voilà. De cette façon, c'est beaucoup plus facile quand même pour la rentrée et pour pouvoir la sortir. Alors ici, quand on arrive, par exemple, là. Ah là là, ah là là, voilà. Non, j'ai cru que je l'avais. Non, donc voilà. Alors, voilà ce que ça donne en fait. Bon, ici on va peut-être mettre le dessin. Voilà, comme ça. Donc voilà, c'est terminé. Alors vous voyez, bon bah par exemple, comme je vous disais, bon bah alors ici on ferme donc les petits volets. Et puis comme ça, bon, bah, quand l'enfant il sait, mettons tel jour, mettons comme je vous disais, par exemple, ici c'est la piscine, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, donc le principe quoi. Hein. Donc voilà, c'était vraiment une petite activité, mais vraiment toute simple. Moi j'espère vraiment du fond du cœur que ça peut vraiment plaire à vos petits loulous, et puis pourquoi pas aider, mettons comme je vous disais, bon, bah, comme ça pour voir les jours de la semaine, tout ça. Donc voilà quoi. Bon, écoutez, donc c'est terminé. Je fais plein de gros, de gros, de gros bisous. Bisous, approchez-vous les enfants. Approchez-vous. Des bisous. Des bisous. Plein de gros bisous pour vous. Et puis donc nous on se retrouve tout de suite après. Tintintintintin. Je vous dis rien d'autre. Ce sera la surprise. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à tout de suite. Encore plein de bisous, bisous à vos petits loulous. Je vous embrasse très fort. Et puis, bon, on refera, bon, je dis pas tout de suite, mais on refera une petite activité ensemble. Dites-moi si vraiment ça vous a plu. Voilà, enfin, j'espère vraiment, hein, de tout mon cœur. Voilà. Alors, bisous les loulous. Et puis, on se retrouve donc tout de suite après. Bisous, bisous à tout de suite.